Bonjour à tous, bon nouveau tuto pour changer l'essuie-glace arrière. À quoi on voit qu'un essuie-glace est mort? Eh bien souvent, quand la mise au point fonctionnera, on se casse-pied. Voilà. Ça c'est un essuie-glace mort, vous voyez. C'est de la merde, il tient même pas, regardez. Voilà. Ça, c'est un essuie-glace mort que j'ai achevé en plus. Donc, pour le changer, je le fais basculer comme ceci, tout simplement. Et nouveau, j'ai juste à le mettre là. Donc, je le remontre. Voilà, balai tout neuf. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo très rapide. Pensez comme d'hab à liker, partager, vous abonner. À très bientôt. Ciao.